Chaque jour, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour Glenview. C'est pour ça que j'ai créé le club de course à pied, les cours d'espagnol au foyer municipal. ¿Dónde está mi tanque de oxígeno? Et la brigade de voisinage. Après ce court moment de brisage de glace de notre première soirée... Je vais pas jouer les emmerdeurs, mais ce serait pas plus marrant de vraiment briser la glace en petits glaçons et de mettre du whisky par-dessus? Il y a quelques années, j'ai voulu devenir membre des services de la police de Glenview. Vous êtes un fou dangereux. J'ai pas senti la vibe. Je me fais un scénario dans ma tête. Une femme au foyer sexy et asiatique, toute seule un soir, appelant la brigade de voisinage. Et là, elle me lèche les... Eh bien... J'aimerais bien aussi que ça m'arrive à moi. Allons voir ce que c'est. C'est quoi ça? Eh les gars, j'ai trouvé un truc. Je... Une invasion extraterrestre qui se prépare. Jerry, laisse la police s'occuper de ça. Chacune de ces personnes est peut-être un alien. Ah, je vous présente mon coffre à jouer. Franklin, qu'est-ce que tu fais? Qui sont ces personnes? Maman. Merde, dégage de ma chambre! Pardon, maman, je voulais impressionner mes potes. Je voulais jouer les gros bras. Je t'aime. Chut. Va buter des aliens, bébé. Ok. On ne peut se fier à personne. Regarde son visage. Regarde mon visage. Regarde son visage et écoute-moi. Regarde-le et écoute-moi. Regarde-le, mais comprends-moi bien. Regarde-nous tous les deux, mais sans nous comprendre. Écoute mes paroles et entends son visage. Oh, personne touche à ce boule tant qu'on n'a pas découvert ce que c'est. C'est dingue! C'est moche pour la vache, mais ce truc est incroyable. Qui veut poser avec l'homme lézard? Ah, il met du gluant dans la bouche.